Elle a tout d'une chambre idéale de bébé. Et pourtant, elle est truffée de pièges. Mon bébé, il peut l'attraper avec ses mains, se glisser en dessous. Au début, il ne sait pas se dégager pour pouvoir respirer et se mettre correctement. Donc en effet, la couverture, les draps, je vire. On garde la gigoteuse. Ici, les futurs parents sont sensibilisés aux dangers permanents qui guettent les nouveau-nés. Choix des peintures, pollution de l'air et cosmétiques. Pas de lingette. Pour nettoyer les fesses de mon bébé, on priorise toujours au savon, qui est beaucoup plus naturel que 18 ingrédients chimiques. D'accord. Apprendre à détecter les produits nocifs, pas toujours évident de s'y retrouver quand on est des futurs parents. Allez. Vous allez mettre ici tout ce qu'on garde pour bébé et ici on met tout ce qu'on jette. Rien que le savon de nos grands-mères. En fin de compte, ben, c'est ce qu'il y a de plus naturel et on n'y pense même pas. On va sur les produits adaptés, entre guillemets, qu'on pense adaptés au bébé. Et nos anciens avaient raison. Les babyphones, ça émet aussi des ondes. Pour moi, c'est un peu inutile parce que vous êtes des super parents au fond de vous et votre bébé, vous allez l'entendre. Faites-vous confiance. Moi, je suis complètement perdu. Quand on a été voir pour les produits, j'étais là, il y a tellement de choix, tellement de marques, tellement de... Et donc oui, je me sens vraiment concerné et j'ai vraiment appris. Et je me sentirai justement utile lors des achats en sachant quoi faire ou ne pas faire justement. Depuis son ouverture, il y a de cela 6 mois, les cours sont complets, les familles sont conquises par la philosophie des sages-femmes. Le moins c'est le mieux, simplicité, efficacité, donc moins on en fait, mieux c'est. On voulait juste les orienter pour éviter qu'elles se fassent toujours harceler par toutes les marques qui essayent un peu de les acheter. Bonjour. Et pour celles qui n'ont pas pu suivre ce cours, la leçon se donne aussi en personne dans la chambre. Vous mettez un peu de lait maternel et vous pouvez l'appliquer dessus. Okay. Les croûtes de lait, pareil, ça évite d'utiliser plein de produits. Les petites questions que nous-mêmes, on peut se poser, qu'on n'a pas forcément le courage de poser comme ça. Quand elles abordent le sujet, c'est plus facile du coup d'en parler. Prochain objectif, former tout le personnel à cette chambre pédagogique afin que tous les parents y passent au moins une fois pendant leur séjour.